Bonjour, bonsoir amis internautes. Ça va dépendre de l'air pour regarder la vidéo ça. C'est un plaisir pour moi à chaque fois. Moi j'ai chance pour me chercher un micro ça pour porter pour nous une nouvelle émission. Dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse là, j'aimerais là Jovenel Moïse sous bonne route pour joindre justice là. Parce que Joseph Vincent qui c'est next à regarder sur écran là, qui c'est une spectre dans assassinat ancien président pays d'Haïti qui c'est Jovenel Moïse. Tout ça regardez sur écran, l'état doué plaider coupable devant un tribunal fédéral dans Miami dans pays États-Unis. Gayon séance qui prévoit fête dans sens ça jusqu'à 5 décembre qu'a venir là. Si lui finalement avoué culpabilité lui ancien informateur fait dit confidentiel DIA, tout ça l'étape travail pour DIA, li risque pour prendre yon prison à vie pour wol li te joué nan bay si pour matériel à participer nan opération pour touye Jovenel Moïse la kayli nan pays d'Haïti nan pèlerin 5. Même avec trois autres moun qui déjà plaide coupable parmi yo Rudolf Jean, John Joel Joseph, qu'est-ce qu'on? Si nous sommes les autres noms qui plaident coupables, nous aidons. Parce que nous avons fait trois autres noms. Nous connaissons John Joel Joseph, Rudolf Jean, et puis tout le monde est là, nous connaissons ce Colombien, nous sommes les coupables. Mais nous avons appelé nos noms ici. Même si avec trois autres noms qui sont plaides coupables, dans le dossier ça, peine, prison à vie. Qui visait pour Joseph Vincent, femmes ou bien, si Vincent tabaye bonjour élément preuve, peine ça, si le sang femme connaît, li carré, li ka diminué, si li baye preuve crédible concernant l'autre monde qui accusé dans le dossier, et puis l'autre. Suspect qui gagne qui vivent dans le pays d'Haïti. Depuis Joseph Vincent Bay, bonjour élément, preuve, qui dit, tel et tel impliqué à fond dans le dossier, ceci de nom Ariel Henry, Matéli, avec Joseph Fex Batio, si Bay preuve, il dit que ça a été dans tout le président Joseph Vincent. Peine prison à vie. Yo prévu après pour lui là, li ka diminué. C'est ça qui écrit dans le journal Miami Herald. Attendez, vous connaissez. Joseph Vincent, c'est un bon ami. C'est un bon employé pour DIA. Il était impliqué à fond dans le bail matériel. Et il était ici pour tout, il était participé dans l'opération pour t'aller touiller. Le président élu pays d'Haïti qui c'est Jovenel Moïse. Ça veut dire là, depuis bail élément de formation, il a réduit la peine pour lui. Femme tout bien, dossier ça, il est arrivé pour la rue, nous croyons que c'est suite après juge instruction Walter Wessel Voltaire. Il était voyagé aller dans le pays États-Unis côté il était chita parler à plusieurs autorités dans la justice américaine. Pendant visite ça qui était duré plusieurs jours, magistrat t'est rencontré à quelques officiels américains et puis responsable FBI yo dans dossier ci là. Yo parle, yo faut bon chita parle. Jija dit, mais ça me gêne même comme élément information. Et puis tout FBI yo dit, mais ça me gêne même comme élément information. Yo fait échange. C'est médias en ligne, Haïti Info Pro, qui rapporte information ça. Côté yo cité, yo source, yo ka fait confiance, visite juge Voltaire dans pays États-Unis, environ 3 semaines après agent FBI
te fin tande Joseph Félix Badiou pendant la prison pénitentiaire nationale. La fin nous connaît, juge là qui t'a retenu la kayli jour qui était mardi 7 novembre 2023. Bref, mes amis, m'arrive avec nous parce que gon nouvelle nouvelle bon là. Ou a dit nouvelle ça li ka foke li ka foke si ko ka monter et nou ka jouer blanc ou tout oui parce que nouvelle ken bay là li gen rapport avec blanc oui blanc ka passe nan bêtise blanc ka sal image nous blanc ka oule nous nan farine moi je dis comme ça parce que ça m'a li là franchement m'pa comprendre ni. Attendez mes amis, est-ce que nous rappelons nous Canada était pour mettre l'argent avec force légale qui c'est PNH? Il te dit, il va nous support. Attendez, oui. Moi une question à poser depuis qu'il est moun saluer les blancs yo a suspend passé parce qu'on t'a dit rancé avec fini nous en tant que premier peuple noir qui libre qui bail indépendance. Attendez, oui. Premier ministre Trudeau te promet Haïti 100 millions de dollars aide avec PNH là. Attendez, oui. Il te promet Haïti 100 millions de dollars aide pour aider PNH là combattre insécurité qui est dans le pays là. Ça qu'on est fait là. Moi-même, m'a regardé dans les nouvelles avec grand étonnement. Oui, c'est vraiment triste, ça me dit là. Et nous gagnons à valer terrain. Gagnons continue à laiter corps dans pays là, il y a propre territoire. Ma ligne dans les nouvelles listes. Moi ouais que blanc dit comme ça. Comme nous mise nouveau ambassadeur Canada qui fait connaître. Dans 100 millions de dollars aide pour police nationale d'Haïti a yon gen tan dépensé plus passé 42 millions de dollars nan comme ça. Tande oui mes amis, pas moi pas pour nous nan 100 millions de dollars pays Canada te promet Haïti pour aider police là yon gen tan dépensé plus passé 42 millions de dollars. Non, l'argent ça, yo acheté, par contre ça acheté avec, c'est comme ça qui dépense. Est-ce qu'on t'en décause? Ça veut dire là, l'argent ça, n'a pas connu qui ça réglé avec. Comme tu vois, yo fait nous cadeau machine, motocyclette. Gars là c'est acheté, yo t'a acheté machine pour nous. Yo acheté, yo mais oublié dit nous et dans l'argent, nous te pour mettre nous. Nous avons besoin de c'est l'argent ça nous pour nous utiliser pour acheter machine avec moto. Parce que 42 millions de dollars qui dépensent à Mbawel. J'aime dire là peut-être ces machines, nous avons fait pour sa cadeau avec motocyclette. T'as semblé yo acheter, yo acheter pour nous. Yo acheter, yo remettre nous. Parce que si yo ba nous l'argent ça, nous connaissons qui regarde dans PNH chaque gagoter le dépenser, yo connaît. Yo habite avec nous. Et sous nous petit grand nous. Yo bito pas comme là au dépenser pour nous et moi même m'ba wè ça passé si c'est dans machine moi wè yo té bay yo avec motocyclette 42 millions ka dépenser wè oui li ka dépenser parce que bay 100 millions de dollars avec regarder PNH là y a garotel y a fait créer avec comme là oui y a dépenser dans casino mais Canada connaît nous très bien. Au lieu de nous l'argent ça, je vais tout dépenser pour nous et tout banoul en matériel. Claire. Mes amis, hey, mes pays, même j'avais l'autre à te dire, Haïti pays spécial, Haïti pays difficile. Tendez mes amis. Dans 100 millions de dollars, Canada te promet nous, comme aide pour PNH là, gain 42.5 comme ça, oui. 42.5 millions de dollars qui dépensaient. Oh oh. Eh mais, et va jouer.
et pas jeune, non. 42 millions, 42.5 millions de dollars qui étaient dépensés dans 100 millions de dollars qui étaient là pour disponible pour PNH là, qui étaient dépensés. Et dépensés qui j'en? Dans les infrastructures. Attendez? Ils dépensé l'argent. Ça veut dire là, ils ont acheté équipement pour nous. Dans la formation, c'est ça, ils ont informé nouvel ambassadeur Canada dans le pays d'Haïti. Dans la visite, et j'ai visité dans la nouvelle liste, mardi 17 novembre 2023. Attendez, ils ont dépensé 42,5 millions de dollars dans l'infrastructure, dans l'équipement, dans la formation pour PNH. Là. Et moi-même, si c'est ça, je me suis avec GEM. C'est machine avec motocyclette Canada te bay. Après ça qui ça on ba rien. Bon, allez, rendez-vous dans la prochaine émission pour nous venir traiter l'autre dossier et pas oublier channel ça c'est production 69. Nous voilà pour nous faire buzz, nous ba information sans retirer sans mettre. Rendez-vous dans la prochaine émission pour nous venir traiter l'autre dossier. Et m'a dit nous ba matin la République. Si m'était dans place d'Adou Diwaye, si m'd'a dit Ti John Coupé ça, m'd'a dit Junior avec Élisée Coupé ça. Pour qui pièce nèg pièce femme k'ap vinn parler dans radio k'ap vinn minimiser sanction yo. Sanction yo affaibli tout moun nou sanctionné yo. Et gen pile nèg ki peur sanction yo, gen pile nèg k'ap souffri à cause sanction yo et gen nèg jodi a poko konnen si y ap nan liste ou pas ki ap joué le tout. Pour nou pa la. Et nou met écrit samedi a la, un jour bien l'autre nou k'ap am raison. Gon frange dans secteur privé a. Ou m'pa di tout secteur privé a. Bon frange la dan. Qui gen contrôle Laurent Cécile, tout au moins Laurent Cécile très proche yo, son frange dans secteur privé a qui achete figi Ariel en pile dans moment là. Bon si on moun vle la vin démentim. Là m'di achete figi Ariel Henri a, si Ariel vle, li ka di tande nou n'a fa gauche jodi a, y a fa gauche avèl. Li ka di n'a fa droite, y a fa droite avèl. Konn y a mande m pou ki ça. Et pas parce que yo renmen Ariel comme ça. Et parce que yo renmen forme tête Ariel comme ça. C'est pas parce que Ariel tellement bien géré pays comme ça. C'est pas parce que Ariel tellement bien défend l'intérieur comme ça. Raison simple. C'est parce que cette frange du secteur privé des affaires dont je vous parle, yo peur sanction yo, yo croit, yo convaincu que Ariel Henry gon rôle li jouer dans série sanction sa yo international là a prend contre une série personnalité des élites politiques et économiques en y encore non va. Si blanc a mandé Laurent Cécile comment relation à CTI avec Primature, pas étonné Laurent Cécile dit bon bagay, relation harmonieuse, très cordiale, très respectueuse, très mutuelle, bah. Pas étonné, man. Donc ça, important, oui. Et je voulais noter ça. Gonfrange dans le secteur privé des affaires là qui croit que Ariel bon rôle li jouer. Ariel bon gens li ka influencer. Yo croit ça, m'a dit si c'est la vérité, mais yo croit ça. Li ka influence sanction yo. Et gen nèg ki peur sanction. Et m'a dit non bay matin la République. Si m'te dans place d'Adou Diwaye, si m'te dit Ti John Coupé ça, m'te dit Junior avec Élisée Coupé ça. Pour qui pe pièce nèg, pièce femme, kap vin parler dans radio, kap vin minimiser sanction yo. Sanction yo affaibli tout moun nou sanctionné yo. Et gen pile nèg ki peur sanction yo, gen pile nèg kap souffri à cause sanction yo, et gen nèg jodi a poko konnen si ap nan liste ou pas ki ap joué le tout. Pour nous, voilà. Donc ça veut dire sanction de la République comme ça. C'est peut-être son étape par rapport à ça m'espérer. Mais qui te me dit nous ça? Et ceci à qui veut l'entendre? Sanction de toute sanction, il n'y a pas de sanction. Parce que moi, je connais un ancien parlementaire qui sanctionne là. Monsieur, pas dormi, non, parce que côté n'est pas bloqué, il conseille des transactions, il n'y a pas qu'à faire. Même sous nos petits, même sous nos madame, il n'y a pas qu'à mettre business. Non, voilà. Et il y a qui pas fait confiance. Gede moun yo de kon avi mil ya pa jima la veyo ki te poche yo, yo pa kon ki kou moun sa yo kaba yo, yo nan difficulté. Donc là on nèg ap jaze, ap deblatere nan radio, ap di rapport bidon ceci cela, se nou konnen si nou pran au sérieux. Nèg ap soufri. Nèg politik yo pè sanction yo, pa y sanction afebli yo, nèg secteur privé yo pè sanction yo. Donc pou m retourne kote m tap pa lak nou la sou question
position mis en dedans, est-ce que le fait unanimité en dedans au conseil là, m'pas fin certain. Et me dit qu'on ça si gon monde qui a partagé même position à Milan, à mon sens, il relé pasteur Florido. Pour le ressentir là, il y a un gros doute. Maintenant, pour nous retourner sur cette échéance du 7 février 2024, nous avons opposition hein, commencé à fou bizamni guerrier du seul. Opposition a commencé à préparer là pour faire des sorties. Après, au fin de créer fonds unis, aider PHTK, OPL et autres. Et Montana, nous pas tant de quelques temps, il est en sortie là, dans le mois d'octobre là, il est en présenté qui sa mécanisme douéier pour capable remplacer Ariel le 7 février 2024. Et si m'kwe Gazette Haïti, yo dim sorti madame Mirlande Hippolyte Maniga, li créé panique au niveau du gouvernement. A se gen moun nan gouvernement ka fait beurre yo qui commence à dire paniquer. On salue fusion soutien ça. Hein. N'importe gouvernement sérieux qui vient dans pays a m'a demandé pour audit qui fait sous MTPTC. MTPTC comme ministère avec tout sa cambalio comme organe. Hein, on salue fusion soutien ça. Yo dit moi ça le ministre travaux publics a tapé installé. Il t'a tremblé. Il dit qu'on y a monsieur Jambazé qui est un garçon. Il dit monsieur Fré, me salue monsieur. Vous comprenez? Il y a des gens qui t'a fait beurre pendant toute cette histoire elle a commencé à paniquer. Me salue monsieur ministre de planification. Il y a un gars salue toujours. Me salue chef cabinet Ariel là. Il est cap diriger pays. Nous voulons me saluer toujours, pas faire ça. Monsieur Saturné, mon beau chef cabinet, papa. Opposition commence à fou bizarre. Saturné, Gabriel, je dis que j'ai payé. Je dis, chef cabinet, il y a plus de pouvoir que Ariel. Bon, Ariel va y être. Donc, notons qui est plus sérieux. Opposition à fou bizarre. Parce que n'y a quoi à faire Ariel là le 7 février 2024 a fini. Bral zon baga la, mais avant m'dil, même si c'est politique qu'a fait, on femme qui tape critiqué à quoi 21 décembre, non, mais que te rejeté le de revers de main, qui doit pas reconnaître Baïza, je dis à l'on j'ai un dessin, hein? Pour ce qu'a vindi, selon clause accord, 21 décembre, non, d'Ariel fini. Ma contre, vous comprenez, on est guidé d'où pas reconnaître, ou yon femme guidé d'où pas reconnaître accord, 21 descend. Okay. Ou tu vas reconnaître lui? Quand je dis à la bonté, j'ai un dessin. Pour après l'argument pour dire, n'a pas parlé de moi comme journaliste particulièrement. Nous t'es questionné ou bien t'es mettez en doute démarche là, mais comme journaliste, nous t'es noté que son document officiel qui était publié dans Le Moniteur et chaque allié Ariel Henry qui prend la parole, l'aime demander pour un accord global qui impliquait toute force vive pays. Ya. Pour ne pas adresser une série de problèmes. Nous avons dit si en face là pas d'accord, si l'autre protagoniste est intransigeant, si vous sur la corde raide, vous même pas avancé conformément à ça qui dit dans l'accord 21 décembre. Nan. Et chaque fois, monsieur te voulait justifier mandat Ariel, ni comme contenu, ni comme durée, vous allez l'accord 21 décembre. Nan. Donc ça veut dire ça. Avant l'accord 21 décembre, nan, tout le monde t'a posé question qui le mandat Ariel a fini et qui ça mandat Ariel gagne comme contenu. Mais selon les alliés du pouvoir, les signataires du dit document, à partir de l'accord 21 décembre, débat est fermé. Parce que tout ça, yo t'a fait selon les clauses de l'accord du 21 décembre. Voilà, dans l'accord 21 décembre, il était prévoit pour élection organisée fin année ça. Et que pour Ariel Henry, Baye Mayette là, a un gouvernement légitime, a un président élu. Maintenant, pour quelle que soit raison, on moun da ka avancer, un fait certain, pas gagne élection. Donc, si pas gagne élection, la grande question qu'on y a, qu'on ta ka pose tête nous. Nous la ka pose tête nous. Est-ce que nous pral di bon, comme pas gagne élection, n'a pas Ariel Henry font 2 ans encore pour le boucler mandat 5 ans là?
puisque son mandat présidentiel lui-même devine jouer là, ou bientôt, on a dit bon, après 2 ans et quelques mois, Ariel prouvé incapacité, incompétence, donc on a obligé retirer monsieur, mettre l'autre monde. Mais il y a un bail qui préoccupe qu'on y a. Quels sont les mécanismes pour remplacer Ariel Henry? Qui sa mécanisme yoye pour remplacer Ariel Henry? En tweet. Est-ce que nous prenons le temps de ces corps groupes là qu'on y a là qui, dans toute composante, yo, chiton côté non chambre, et puis yo décide yo font tweet, yo dit désormais, mais qui est-ce qui premier ministre? Est-ce que ces classes politiques là qui prennent entendre yo, ce que je connais qui est impossible, parce que je me rappelle qui dernier fois classe politique a été entendu pour de bonnes causes, qui prennent yo, mais qui côté ouvre l'aller, ou bien est-ce que c'est un ministre dans le gouvernement qui prend l'assurer intérimement en attendant que nous décidions sous son nom? En tout cas, il y a Claude Joseph et du parti ED qui lui-même salue courage madame Maniga, qui dit Maniga, et nous comptons sur vous pour aider nous. Pour aider nous dans la bataille. Pour remplacer Ariel là. Pour créer vite. Bon, moi je dis remplacer Ariel, mais il n'y a pas les gros français, gros mots latin. Mais on y a assez dit, on dit madame Noblal Baye coup d'état. Claude de qui nous font une qui gagne PHTK qui est OPL, n'a pas rappelé l'iné Balthazar du PHTK, c'est un homme qui gagne dans le cité ou bien qui vous voyez petit papier timbre balé dans le cadre de l'homme Jovenel là papa. Monsieur d'accord à toi, monsieur signe tout. Ah le papa, quoi? Non, nous n'en font une ou bien. Ah, ok. On revient. Ok. Donc, on y a là, qui sa mécanisme dans le pour remplacer Ariel? Montana lui-même, il était ferme avec proposition Lyo. Il est toujours quoi que son collège présidentiel qui pour venir mener bac PIA avec 5 membres. Et puis, il a décidé entre eux qui est ce qu'a président du conseil là. Un représentant de la diaspora, un représentant de la classe politique, un représentant de signataire résolution Kingston, un représentant de Montana, qui est encore fait 5 ans. Et puis, il y a un comité qui pour mettre sous place. Le comité a 7 membres, qui a gagné université, paysan, femme et latrier. Ce comité a pas choisi pour le ministre. Et qui a choisi tout le monde qui a fait partie du cabinet ministériel. Il y a parlé tout d'un organe de contrôle qui était prévu dans l'accord 21 décembre, M. Damio. Mondana retourne à Vel, qui pourra contrôler l'action gouvernementale. Et il y a parlé d'une transition de 18 à 24 mois. Donc ça veut dire 2 ans et quelques mois, Ariel là, jusqu'à présent, nous pouvons jouer dans la transition. C'est un ballon d'essai qu'a fait. Vous comprenez? C'est un mouvement de mise en train qu'a fait. Et ça a blandi. Quand il y a là, pour me finir net, Ariel Henry, même si on paquet de l'autre politicien qui est arrivé à accéder à plus haut niveau dans l'État, il y a toujours à jouer sous lui. C'est le temps. Ma on s'est marqué avec lui au lit trop. Ma on est, man. Bon, Jean, il a joué sur le temps. Mais c'est ça, moi, je me connais. En Haïti, au café, toute prévision, là. Au café, toute analyse possible, toute projection, voilà le mot. Et puis, toujours, mon élément surprise qui paraît, qui chambarde toute bagarre dans moi. Par contre, vous comprenez. Donc, faut que Dr. Ariel Henry comprenne. Il va mettre tête lui. C'est pas lui qui décide de rester là. Donc à n'importe moment, Blanguin doit embarrasser Ariel, il doit considérer comme un colis, encombrant par contre ça redit. Et puis il décide de dire mon cher, après 2 ans, et pas un excès utile nous là, même plan nous même agenda nous pas arriver de n'appliquer, mon cher retire corps, bon basé. Mais sauf que moi-même, m'attend toute nègre, toute femme qui était signé accord 21 décembre, à qui courage, yo même qui t'a défendu accord, pour y prendre vin dire mon ça que Ariel Henry doit rester au-delà du 7 février 2024, alors que dans l'accord, il y a écrit noir sur blanc, à partir du 7 février 2024, mandat Ariel fini. Et si dans mes deux, à partir du 8 février 2024, il ne doit pas jamais mêler Ariel pour le ministre encore. Non? Et parce que m'a fait chèl, ben m'a proposé intéressant, non? Et parce que tout simplement, M. Damiogon a quoi aussi, hein? Il a publié dans le moniteur qui te dit à partir du 7 février 2024, Ariel Henry, pas premier ministre encore. Bonjour guerrier, bonjour Grégory Lubin, Jimmy qui était à Genoué, bonjour tout le monde. Oh, bonjour Johnny, pardon à parler là, d'après chercher en tweet citoyen, et moi, début de citoyen, on est en qui est-ce,
Ok. Ok, voilà. Mesdames et Michel. Mesdames et Michel dit, Père Ariel Henry, pas besoin d'un nouvel accord politique pour le rester sous pouvoir après 7 février 2024. Il a besoin d'un entente pour organiser élection et puis transmettre pouvoir by élu population a choisi. SDP invité protagoniste à la raison politique. Ou te pose question ou ta reme konnen sa ou pral di après 7 février. Eh ben c'est là ça public là population citoyen yo pral rann yo compte nan ki niveau politicien ça wot. Aïe. Donc ça veut dire Mesdames et Michel parle, il nous pas besoin l'autre tac. Il a fait document qui si, est publié dans le moniteur pour dire faut qu'on ouais, un nouveau président élu qui rentre en fonction 7 février 2024. Ça c'est blague. Vous comprenez? C'est blague, ouais, ça. Bon mon et bien qui dit depuis à quoi c'est publié dans le moniteur, même là où tu dis va connaître, il a demandé vous le respecter. C'est vrai? Son mon et bien qui dit ça. Et ça blandi. Quand il y a là pour me finir net Ariel Henry, même son paquet d'autres politiciens qui sont arrivés à accéder à plus haut niveau et dans l'État, ils ont toujours à jouer sous lui. C'est le temps. Mais on s'est marqué avec lui au lit trop. Il a joué sous le temps. Mais c'est ça, moi, je me connais. En Haïti, au café, toute prévision là, au café, toute analyse possible, toute projection, voilà le mot. Et puis toujours un élément surprise qui paraît. Qui chamba de tout bagay nan moun. Par contre, se comprenne. Donc, faut que docteur Ariel Henry comprenne. Li pa met tête li. C'est pas li décider rete là. Donc, à n'importe moment, blanc gen doit embarrasser avec, gen doit considérer le comme un colis, encombrant, par contre, ça veut dire. Et puis, il décide, il dit, mon cher, après 2 ans, et pas un extérieur utile nous là, même plan nous, même agenda nous pas arrivé de n'appliquer, mon cher, retire corps, bon, basé. Mais sauf que moi-même, m'attend. Tout nèg, toute femme qui te signé accord 21 décembre, à qui courage, yo même qui t'a défendu accord, pour yo pral vin zim kon sa ke, Ariel Henry doit rester au-delà du 7 février 2024, alors que dans accord, il y a écrit noir sur blanc, à partir du 7 février 2024, mandat Ariel fini. Et si nan mèdim, à partir de 8 février 2024, nous ne doit pas jamais mêler Ariel pour le ministre encore. Et parce que m'a fait chèl, ben m'a proposé intéressant, non? Et parce que tout simplement, M. Damien Gon a quoi aussi, hein? Il a publié dans le moniteur qui te dit à partir de 7 février 2024, Ariel Henry, pas premier ministre encore. Bonjour, guerrier. Mm-hmm. Bonjour, Grégory Lubin, Jimmy qui était à Genre. Bonjour, tout le monde. Oh, bonjour, Johnny. Pardon, à parler là. D'après chercher en tweet citoyen. Et moi, depuis que je suis citoyen, je suis avec qui je suis. Ok, voilà. Mesdames et Michel. Mesdames et Michel dit, Père Ariel Henry, pas besoin d'un nouvel accord politique pour le rester sous pouvoir après 7 février 2024. Il a besoin d'un entente pour organiser élection et puis transmettre pouvoir by élu. Population a choisi. SDP invité protagoniste à la raison politique. Ou te pose question ou t'as aimé qu'on ça ou pral di après 7 février. Eh ben c'est là ça public là population citoyen yo pral rann yo compte nan ki niveau politicien ici ça wot. Aïe. Aïe. Donc ça veut dire Mesdames et Michel parle, il nous pas besoin l'autre tac. Il a fait document qui si, est publié dans le moniteur pour dire faut qu'on ouais, un nouveau président élu qui rentre en fonction 7 février 2024. Ça c'est blague. Vous comprenez? C'est blague, ouais, ça. Bon mon et bien qui dit depuis à quoi c'est publié dans le moniteur, même là où tu dis va connaître, il a demandé vous le respecter. C'est vrai? Son mon aide qui dit ça. Eh ben bam tout demander mon aide ça avec moi là. N'a parlé de Félangeant qui est responsable politique national aidé. Bonjour. Bonjour guerrier, bonjour Johnny et m'a salué tout internaute et auditeur auditrice
Grand Boulevard, donc content avec nous. Mm-hmm. Alors, bonne autorité par rapport à l'interrogation, ça. Et côté Johnny, tu as dit qu'il y a des partis politiques qui ne peuvent pas reconnaître l'accord 21 décembre 2022, c'est ça? Et, mais qui, je dis là, a servi avec lui pour dire que Ariel n'a pas de place. Donc, nous, nous aider, nous ne pas reconnaître les documents, ça. Et nous trouvons la même position hein, pour nous demander, on dit que Ariel n'a pas de place après 7 février 2024 parce que Akwa n'a pas respecté. Donc, on m'a peut-être aidé qui dit que depuis documenté sorti dans le journal officiel pays le moniteur, donc nous coupons nous en Bali, c'est ça? Et on est attendu de l'analyse que. Johnny peut dire qu'il a fait ça. Bon, nous-mêmes aider, nous pas signer et accord ni nous pas dans démarche et pour nous signer accord 21 et décembre. Mais et à aucun moment de la durée, nous pas dit que nous pas reconnaître parce que de fait et cours dit la guerrier. Une fois que l'accord a publié, il y a des acteurs quand même qui signent. Et c'est sous base à même que le peu de légitimité que Dr. Ariel Henry a gagné ainsi que les signataires, c'était sous base à l'accord-là. Donc nous pas myopes et nous pas aveugles pour un document qui est publié dans le journal Le Moniteur et le 3 janvier. Et pour nous dire qu'il ne va pas reconnaître lui. C'est un comportement quand même aveugle et qui a essayé nier la réalité. Nous-mêmes, nous avons aidé, nous bel et bien réalistes, nous ne pouvons pas dire que nous ne reconnaître lui. Nous disons que nous ne sommes pas signés, nous ne sommes pas processus là, mais nous sommes bel et bien reconnaître l'accord 21 décembre qui était publié le 3 janvier dans le Moniteur. Mm-hmm. Ok. Et je dis là, qui positionne nous par rapport à échéance, qui c'est 7 février 2024. Bon, et position nous claire, c'est que il y a des acteurs politiques et ainsi que PM Ariel Henry qui te baillent un document qui est accord 21 décembre là. Et document ça, c'est lui-même qui définit gouvernance PIA, c'est lui-même qui te parle des élections, c'est lui-même qui te prévoit de institutions, tant qu'au CAG, c'est lui-même en quelque sorte, c'est des documents juridiques souvelés qui te dit mais qui j'en aura géré transition. Et dans gestion transition, ça, t'es gagné une date d'échéance que acteurs eux-mêmes, ils t'ont choisi, et d'ailleurs, tant qu'au Jean, Madame Maniga dit là, date d'échéance là, elle était raisonnable pour réaliser élection pour te faire de réformes et constitutionnelles et de toute façon c'est eux-mêmes qui devaient être leur mission ça et fort de cela date d'échéance arrivée et nous constater que pas gagne une dans mission que PM Ariel Henry ainsi que signataire n'ont pas respecté, pas gagné une qui est arrivé abouti. Donc nous-mêmes n'avons pris acte de 7 février 2024 là que transition qui a dirigé par Dr. Ariel Henry a privé à échéance. Et c'est peut-être ça, non pas seulement prendre acte, c'est peut-être ça, que ce soit dans l'aide, que ce soit dans le fonds uni, nous, et à réfléchir et nous faire des propositions claires pour nous discuter ensemble de le départ organisé de Dr. Ariel Henry. Mm-hmm. C'est ça, ces propositions par notre aide et ces propositions par notre également. Dans le Front Uni. Et qui sa proposition bon, proposition. Proposition est bien connue. L'éclair, c'est que nous proposons un conseil de transition qui a gagné et toutes les prérogatives présidentielles avec un gouvernement, évidemment, d'unité nationale qui a basé sur à la fois compétence mounio et crédibilité mounio. Et gouvernement, ça a gagné pour organiser les élections, l'a gagné pour lui consulter le peuple là pour une nouvelle constitution, un nouveau contrat social. Et pratiquement, c'est ça à nous proposer. C'est également position et les signataires et dans le fond. Hein. Donc, les clairs, les connus, et que ce soit au niveau aidé, mais au niveau fond, hein, qui fait sortir officiellement, que tout le monde connaît, et, mais qui positionne sous échéance
et cas privé et dans mon scrutoire. Alors, nous parlons d'un conseil constitutionnel, c'est ça? Un conseil... Au carré, conseil présidentiel, conseil de transition, et donc c'est ça, et c'est pas vraiment mais question. Est-ce que nous imaginons tout, nous déjà, ouais, comment le pral monter, avec qui personnalité, qui institution? Si nous target à imaginer ça, et guerrier, et laisse ça nous parler de négociation, et nous peut parler de dialogue, c'est quand même et c'est acteur, c'est ça nous a fait dans aider, c'est ça tout font après inviter tout acteur politique, que ce soit et même monde qui et même acteur qui quand même qui signé accord 21 décembre qui joue dit à, parce que quand même faut nous dire ça guerrier Johnny un paquet acteur qui était signé qui était signé 21 décembre, qui j'ai dit a déçu. Parce que, et en pile là-dedans, yo constaté que ça a été signé, mission a été baillée tête, yo, et même des institutions qui ont été prévoir, en quelque sorte, je dis à là, yo tout simplement pas existé. Donc, son transition qui échoué. Donc, même acteur ça, yo, nous invite à rejoindre nous dans le fond, parce que nous connaissons que c'est ensemble, nous autres de l'opposition, ainsi que tout haïtien, société civile, tout acteur pour nous définir ensemble qui j'en ai fait et qui j'en ai défini. Et là, une fois que nous définissons les grandes lignes, question, figure, qui est-ce qu'il y a là-dedans, ça va prendre détail. Alors, je dis à nous 6 novembre 2023, donc 7 février 2024, c'est presque demain là, hein, qui ça a fait déjà à part appel à Chita Palé, dialogue que nous lançons à niveau fond unique, qui ça a fait? Bon, ça a fait gagner de réunions et qu'a fait et chaque jour, gagner de consultations. Qu'a fait chaque jour pour essayer de rassembler le plus d'acteurs possible et autour d'une table pour nous discuter et planifier le départ organisé de Dr. Ariel Henry. Et nous-mêmes, nous disponibles et disposés pour nous et aller sous table négociation, que ce soit avec CARICOM et avec d'autres acteurs nationaux, mais surtout dans CARICOM, nous-mêmes avons aidé pour parler formel, non pas dans de pour parler informel, tant que ça que pratiquement circulé dans le réseau politique que Dr. Ariel Henry a fait quoi que y a des dialogues informels qu'a fait avec des acteurs, nous-mêmes dans aidé, nous tenons un dialogue informel et nous encore disponibles pour des dialogues formels. Donc c'est là nous, c'est des consultations qu'a fait de tout part pour nous de toute façon organiser, penser et dans moins que 3 mois comment n'a arriver et remplacer et comment on a arrivé souvler et parer pour échéance à cas privé, j'en ai aussi dit à guérir dans moins que 3 mois. Nous sommes des acteurs responsables et nous déjà réfléchi sur le mécanisme de remplacement et Dr. Ariel Henry une fois que l'échéance est arrivée. Et c'est peut-être ça encore, nous faisons appel, vraiment appel à tout l'autre acteur politique et que ce soit le signataire 21 décembre, tout l'autre acteur pour rejoindre nous, pour nous planifier ça ensemble, parce que quand même il s'agit d'un pays. Et comment nous est HCTA dans telle démarche après 7 février 2024 là? Bon, selon accord 21 décembre là, et HCTA est à supposé et rété pour en quelque sorte et comme acteur dans planification et transition, en planification transition selon accord et 21 décembre là. Donc nous pensons que HCTA et Koué Akwa Diala que bon yo gen place yo et là encore dans discussion yo nous pensons que définitivement pour nous accentuer nous sous ça quoi le fait qui est
et de toute façon, c'est là encore, c'est appel là n'a fait pour tout acteur. Rejoignez-nous dans la discussion. Yo. Parce que quand même, 7 février, guerrier, et Johnny, c'est dans moins que 3 mois. Mm-hmm. Mm-hmm. Ok. Et rappelez-nous, non, qui est-ce qui fait partie de Front Uni, hein? Qui est parti qui la donne? Front Uni, nous gagnons Idée, nous gagnons Unir, nous gagnons Gré, nous gagnons. Et après Gré, nous gagnons tout. Permettez-moi tout à l'heure, guerrier.